La Q1 Studio presenta un altro atto di Ex Africa Sempre a Liquid Novi con l'artista senegalese Soly Cissé in una mostra dal titolo Physiologus. Sono a Parigi in compagnia di Soly Cissé che ha gentilmente concesso questa intervista. D'avant-peinture, on retrouve les dessins nomadiques, des surréalistes, les rêves, la peinture d'action et le mysticisme africain dans un métissage bien élaboré. D'où provient votre inspiration pour vos œuvres? Pour moi, en fait, ça dépend des idées du départ, parce que pour moi, l'Afrique reste encore mystique. Et il y a des réalités en Occident qui est très différente des réalités africaines. Et je veux montrer à travers ma peinture que l'Afrique a encore conservé son côté mystique. Donc c'est une Afrique différente, c'est une Afrique aussi qui a donné beaucoup aussi aux autres continents, aux autres réalités. Donc dans ma peinture, j'aimerais bien qu'on ressente un peu le côté mystique qui nous a toujours habités, parce que nous on est quand même des Africains, malgré que on est souvent en Europe, mais la réalité africaine est très mystique. Et que il y en a qui conservent encore ce mysticisme qui est encore là. Et je suis beaucoup plus dans l'imaginaire que dans la réalité, dans mon travail. Parce que l'imaginaire me donne beaucoup plus de possibilités et de rêves. Donc je suis beaucoup plus dans le rêve que dans la réalité. Donc c'est ce qui fait la différence. Et c'est ce qui me donne aussi les possibilités de délirer et de faire ce que je veux et ce que j'ai envie de faire. Dans une interview, vous avez déclaré que votre peinture est une lutte. Pouvez-vous me dire contre quoi? Pour moi, c'est une lutte, lutte pour la discrimination du marché de l'art par rapport aux artistes africains. Et je trouve que il y a beaucoup d'artistes africains qui ont beaucoup de talent, mais malheureusement, ils ne sont pas vraiment, je pense, acceptés. Et si tu regardes le barème de leur cotation, il est très bas et que y a un problème de reconnaissance. Et maintenant, je pense que l'art va beaucoup plus vers le lobbying et j'ai envie parfois aussi de faire ce cri de cœur, ce rancune-là, cette sorte de révolte vis-à-vis des gens qui monopolisent l'art et qui décident pour les autres. Donc du coup, il y a un problème un peu pour les Africains, pour les Africains puissent trouver leur place dans le marché de l'art actuel. Et c'est un problème sérieux. Et je pense qu'il est temps maintenant de reconnaître les artistes africains, parce que quand même, il y en a qui sont très bons. L'Afrique est en train de vivre en ce moment une vitalité artistique importante. Mais beaucoup d'artistes avec lesquels j'ai parlé, provenant de plusieurs pays du continent africain, se plaignaient d'une politique culturelle absente. Il n'y a pas de musée, il n'y a pas de promotion artistique et beaucoup d'artistes sont plus célèbres en étranger que dans leur propre pays. Au Sénégal, la situation semble meilleure et en effet, depuis longtemps, la Biennale de Dakar. Comment voyez-vous le futur de l'art contemporain africain? Oui, vous savez, mais en Afrique, il n'y a pas de musée. Il n'y a pas de musée, il n'y a pas une politique culturelle digne du nom, qui est riche, où l'État doit acheter les artistes. Dernièrement, j'ai fait une interview avec RFI. J'ai parlé de ça. Tu as entendu ça? J'ai déjà parlé de ça. J'ai dit que nous, les artistes, on a un problème avec les politiques. Parce que pour moi, les politiques ont échoué. Ils ont échoué parce qu'il n'y a pas de politique culturelle dans notre pays, alors que l'Afrique, c'est la culture, l'Afrique. La richesse de l'Afrique, c'est la culture. C'est ce qu'il peut donner à l'autre. Senghor, notre président, Senghor Léopold Sédar Senghor, qui était un président très enraciné dans la culture africaine, mais c'est des gens qui ont beaucoup fait en Afrique,
qui ont fait le festival des arts nègres dans les années 66, qui a 60% du budget, il avait injecté dans la culture. Donc les années 66, les artistes étaient des bourgeois. Les artistes avaient beaucoup d'argent, ils étaient bien entretenus par l'État sénégalais parce que le président, il aimait l'art, il aimait la culture. Et quand il voyageait, il amenait des artistes avec lui. Et il partait dans... Par exemple, quand il venait à Paris, il venait visiter les ateliers de grands artistes avec les artistes sénégalais. Il venait voyager avec. Il visitait l'artiste de Picasso, il visitait les artistes des grands maîtres qui étaient à Paris avant de retourner au Sénégal. Donc lui, c'était quelqu'un qui voulait formater des artistes pour le futur du pays africain.